Salut à tous, à tous, bienvenue dans Blaze de Blade of Fate. On continue l'aventure. Et les gars, les amis, c'est la fin. Donc c'est Shinigami. C'est, on a fait tout ça. Et let's go. Donc comme c'est la fin, je pense que ça va durer. Ce premier il dure une heure, bon moi j'avais coupé en trois parties, mais le premier il dure une heure du gameplay et peut-être le dernier peut-être une heure aussi, je sais pas. Et là il y a Urahara qui l'avait sauvé. Non, je pense qu'il va le demander comment il faut sauver Ruka, je pense, non? Ouais, c'est ça. Donc là, Ruka, Bakuya et Renji l'ont ramené dans la society. Et je pense qu'elle pense, genre, ouais, elle va mourir, mais non. Parce que Ichigo va venir le secourir, quoi. Yorichi au début elle était un chat. Pas mal de gens pensaient que c'était un chat mais non. Elle a une forme humaine. Donc c'est pas un chat. Mais moi je pensais de l'animer, je pensais que c'était un chat. Non. Après on voit bien que c'est pas un chat. Et ouais, Byakuya il accepte ça. Hein. Genre. Sa sœur. Le jugement. Pour l'exécution. Parce que apparemment il doit obéir à des ordres. Un truc d'un genre. Par contre, les textes sont longs. Il a Gin. Par contre les gars, moi je veux de l'action, je veux du combat. Je sais pas combien de temps ça dure en fait.
texte et tout. Là, il y a Ganju qui aime pas le Shinigami. Les gars, je pense que je vais sauter des textes parce que c'est trop long. Parce que moi je laisse moi je lis un peu. Moi je lis. Moi je laisse pour voilà, parce que je pense qu'il y a certains qui vont pas vraiment capter et tout. Donc c'est pour ça que je laisse. Je le laisse. Et là, il y a la réunion des capitaines. Ichigo versus Renji, enfin vraiment les textes sont trop longs les gars, c'est trop long. Alors là c'est un peu le dé, c'est comme si la fin de ça passe un peu genre le début et tout ça. Vous voyez bien ce que la fin c'est dans le cas et tout. Not die. Not good. Roar. Damn, it's over. Come on.
Et Renji, ciao. Il y a RNG qui a perdu. Et là, il demande à Ichigo de le sauver Rukia. Hein. Là, il y a Kara qui attaque Toshiro. Et là, je vais me combattre avec Zaraki. Ok, non. Après ça, ça s'est repassé en fait. Les débuts de l'épisode de Bleach, bah, il y avait ça en fait. Je pense pas qu'on va peut-être combattre beaucoup de fonds. Hein. Mais je sais pas. Peut-être après. Et là, il y a Byakuya qui intervient. Je me rappelle de ce moment-là. Senpon Sakura Kageyoshi.
Bankai. Sensei Sakura Kageyoshi, un truc comme ça il a dit. Est-ce que je me suis trompé? Je pense que je me suis trompé, je l'ai peut-être mal dit. Obitaki avait apparu? Je m'en rappelle plus. Parce que ça fait quelques temps que j'ai vu Bleach. Donc je m'en rappelle plus s'il avait apparu. Ouais, je sais qu'il y avait Ichigo. Puis après il y avait Uruchi. Et ouais, je l'avais dit, hein, il y avait Yoruchi qui apparaît. Ichigo versus Yoruchi. Et Yoruchi et K.O. Ah ouais, en fait Inamori pense que c'est Toshiro, bah non.
Inamori a gobé cette lettre. Après, Inamori, elle ne sait pas que ah, c'est un. Ce. Ouais, ce, genre. Je pense que. Elle s'est fait trahir, genre, un peu. Inamori et KO. C'est toujours vrai, c'est du game. Jin, tu vas payer. Sachez que tout ça, c'est de la faute de Jin. Yorimaru. Oh. En plus ce banquet il est puissant. Franchement, c'était chaud. Là, il y a Rangiyu qui apparaît.
Et là, je pense que tu vois un peu le Mankai, non? Ouais, je pense. Kenpachi, vous tous êtes comme moi. Tous comme moi, c'est le duo. Ils sont toujours ensemble. Après, ils sont potes, mais. Ouais. Tosen et Kumamura sont KO. Ça va. Il n'y avait pas de difficulté. Bien clair. Par contre, ouais, je me rappelle. Angie l'avait défié parce qu'il voulait sauver Roka. Zabimaru. Et Byakuya est KO. J'ai dégagné Byakuya avec le Bankai. Et ça, c'était pas mal. Senbon Sakura Kageyoshi. Il s'est fait déglinguer. Yamamoto vs Kyoraku Ukitake. The flower wind rages, the flower god roars, the wind of heaven rages, the god of the underworld sneers. Captain Kyokotsu. Wave become my shield, thunder become my blade. Sogyo no kotowari. Sorry.
Et Kyoraku et Ukitake sont tous les deux KO. Franchement, ce duo, il est pas mal. Mais je pense pas qu'ils ont eu l'étoffe contre Yamamoto. Parce que Yamamoto, il est puissant, hein, quoi. Un second mois, je me rappelle, hein, ils se sont battus dans la forêt. Yo, tu veux ce siphon? Let's go. Hey, so funny, Kao. Et là, il y a Byakuya, Ichigo, qui vont se battre. Là, il y a le holo d'Ichigo qui a réussi à prendre le dessus, hein. Let's go. Cool.
Guys, Zangetsu. Allez, let's go avec Zangetsu. On va tout déglinguer. Hop. Et Yokuya est KO. Et là je pense que c'est Aizen qui a détruit le 146. Ouais Aizen, pourquoi t'as fait ça? Aizen a manipulé Inamori. En fait, bah Inamori, bah... En fait, elle pensait que... Elle avait toujours... Je peux comprendre ça, mais c'est comme si... Elle kiffe Aizen, c'est comme si c'était son idole un peu dans la vente. Vraiment bizarre. Temps de déguiner Bankai. Et Aizen est KO. Là, il y a Onohana qui apparaît. Let's go, Sabimaru! I am prepared.
I'm the first item. Et Aizen est KO. You're nothing. Il a fait une entrée fracassante. Ichigo, RNG vs Aizen, donc 2 vs 1. Et Aizen est KO. Alright, okay. Sorry for Yorji vs Aizen. Et je suis sorry for you. I shall bury you now. Too late.
Kaizen et KO. Il a tous ses incendies. 3 versus 1. Je pense que c'est le seul moyen. Il fallait que j'active le bunker dans ce jeu. Eisenhofen et Gin sont tous KO. Franchement, quand j'ai activé mon bunker, ça les a déglingués, wesh. Là il a Aizen qui va dans le Wekomundo. Je pense que ça fait une semaine qu'ils sont dans la Society. Ah, il y a le Ichigo Odo qui est disponible. Et les amis, c'est la fin du Bleach The Blade of Fate. On a tout fait. Regardez les amis, on a tout fait. Tout. Le mode histoire. Et le dernier c'était Shinigami. Franchement je sais pas combien de temps la vidéo a duré, mais je pense que ça a duré longtemps. Bon les amis, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez du jeu, de la vidéo et tout ça. Voilà, franchement le jeu c'est un banger, j'ai kiffé, voilà j'ai kiffé. Si vous regardez l'anime et vous jouez le jeu après, franchement vous allez connaître un peu, c'est ça que j'ai fait moi. Mais si vous regardez, je pense que si vous jouez le jeu avant, vous allez pas connaître vraiment grand chose. Mais voilà, dites-moi dans vos commentaires qu'est-ce que vous en pensez, et on se revoit pour la prochaine vidéo, les amis, et moi je vous dis à tout à l'heure, ciao.